Et si les adolescentes du monde entier pouvaient soudainement électrocuter qui elles voulaient? Une adaptation qui fait réfléchir d'un best-seller de science-fiction, dans la lignée de The Handmaid's Tale. Joss dans Le Pouvoir, de Rael Tucker, Naomi Alderman et Sarah Quintrell. Photo Katie Amazon Prime Video par Emily Gavoy. Partagez LinkedIn. Copiez le lien. Nous sommes ravis que HBO, qui produit la série disponible sur Prime Video, ait été du même avis. Dans son best-seller Le Pouvoir, la romancière britannique a participé à l'écriture du scénario « Imagine les trajectoires d'Ali », une adolescente noire l'Alabama qui finit par échapper aux abus. Sa famille d'accueil, Roxy, voit sa mère se faire assassiner sous ses yeux. Joss, une lycéenne américaine sans problème, fille du maire Seattle. Et encore d'autres jeunes filles qui, partout dans le monde, découvrent soudain un pouvoir presque divin, presque jupitérien, celui de faire jaillir de l'électricité du bout des doigts. La dystopie féministe Les héritières de Margaret Atwood. Voix rouge, toute révolution commence par une étincelle, annonce la voix d'une femme au début du premier épisode. Prophétique, car la révélation, ce girl power inédit va, en plus, permettre à la moitié l'humanité d'allumer ses cigarettes sans briquet et faire un barbecue sans allumettes, ébranler considérablement les fondements du patriarcat et l'ordre jusqu'alors établi. En Arabie Saoudite, c'est carrément un soulèvement populaire des uns contre les autres, après des siècles d'assujettissement, que documente Tinde, un jeune Nigérian devenu reporter improvisé après avoir immortalisé, dans son pays d'origine, les premières manifestations de cet insolite cadeau. Il est le seul personnage masculin principal de cette dystopie féministe, une adaptation très littérale du livre dont il s'inspire, portée par une équipe elle aussi presque exclusivement féminine. On pense évidemment à The Handmaid's Tale, le livre culte de Margaret Atwood, lui aussi transposé à l'écran dans série phénomène que l'on connaît, plus pour les thèmes convoqués, la revanche des femmes opprimées et meurtries, réflexion stimulante sur le pouvoir, ses abus. Et son venin, seulement en termes de mise en scène. Loin l'univers visuel très saisissant, la production succès Bruce Miller, Le Pouvoir déploie une science-fiction plus discrète, résolument ancrée dans une réalité très contemporaine, sans costumes spectaculaires ni effets excessifs, qu'ils soient spéciaux ou horrifiques. La série tarde certes un peu à asseoir son rythme et entrer dans le vif du sujet, mais la qualité globale, l'interprétation et l'originalité, l'histoire sont solides arguments pour convaincre les sceptiques s'accrocher.